Ok, alors deuxième jour sur Koh Tao, j'ai pris la meilleure des solutions qui s'offrait à moi pour voyager sur l'île, c'est-à-dire un scooter. Je viens de faire le plein, je viens de faire aussi la location, il y en a pour 200 bahts et 50 bahts pour juste le plein. Donc c'est vraiment cheap ici, donc c'est l'équivalent de 4 euros par jour. Sinon je serais obligé de prendre ce genre de taxi qui se trouve derrière moi, il y a des pick-up qui sont partout sur l'île. Ça coûte 500 à 600 bahts juste pour se déplacer à certaines plages. Donc aujourd'hui au programme, avec le scooter, on va aller voir les requins en pointe noire qui sont au sud de l'île. On va essayer d'aller voir ça juste avec un masque et un tuba. Je vais essayer aussi de filmer avec le drone, voir s'il n'y a pas moyen. Et puis on va voir ce qu'on peut faire aussi aujourd'hui. Là je vais partir à un cybercafé pour aller vider mes cartes. Et puis voilà ce qu'il y a au programme. On est à Shark Bay, Anyang, à vérifier. Donc en fait c'est deux petites plages, ici la plus petite et une plus grande où on accède en bateau juste ici. Et elle a la particularité, cette plage là, d'accueillir en fait un grand nombre de requins, surtout le matin et en fin d'après-midi, début de soirée. Des requins à pointe noire qui sont assez inoffensifs, qui font entre 50 et 1m50 de long. On a eu l'occasion, vous l'avez vu dans l'épisode précédent, d'en voir un petit peu au niveau des deux petits îlots au nord de l'île. Vraiment magnifique. Ici on va essayer de s'approcher un peu plus. On n'a pas encore de matos, on va essayer d'en louer. Et puis je pense qu'en drone, ça pourrait être sympa d'essayer de lancer le drone derrière. Et puis de voir un petit peu si on peut en voir, si on peut voir un peu des bancs, si on peut voir 2-3 requins. Première petite crique à Shark Bay, on va de l'autre côté de l'île, sur le côté est. On a rencontré un Belge et une Française qui en fin de journée nous ont dit que là-bas plus à l'est il y avait un viewpoint qui était vraiment beau, donc je pense qu'on va se diriger par là vers la fin de journée. Et puis là on va retrouver notre scooter puis on va enchaîner. Hop. Quand vous rendez à l'est de l'île, c'est incroyable de constater qu'il n'y a personne, les routes sont vides, il y a vraiment une sensation de liberté à ce moment-là en scooter et tout, enfin c'est vraiment top. Koh Tao se visite vraiment en plusieurs fois et je vous invite vraiment à faire tout le tour de l'île. Chaque creek et plage a vraiment sa personnalité, il y a des choses à faire partout sur cette île. Après ça, on est rentré à notre hôtel, on allait se préparer pour aller voir un fire show sur la plage, et à ce moment-là, je me doutais pas encore que j'allais avoir une énorme surprise ce soir. À qui je viens de parler au Fire Show, il s'appelle Christian Leblanc, c'est un de mes vlogueurs, travelers préférés, il est canadien, il a une vingtaine d'années et vraiment c'est ce mec là qui m'a fait découvrir 20 000 choses, c'est ce gars là que je regarde tous les jours avec peut-être d'autres vlogueurs comme Casey Neistat et comme d'autres, lui il est vraiment génial. Sur Koh Tao, Koh Samui, Koh Phangan, il donne des super conseils. Je savais qu'il allait voyager en Thaïlande en même temps que moi, je savais pas ce qu'il allait faire, pas quelles îles il va visiter ou quoi. Je l'ai loupé à Bangkok, il était là pour Songkran. Là, je l'ai vu ici à Koh Tao par chance. Je lui ai demandé tout à l'heure sur Instagram ce qu'il allait faire. Je crois que ce type-là est dans les 300-400 000 abonnés. Peut-être 200 000, je ne sais plus. Vraiment super chouette le type. On va lui parler. Un grand sourire, Justine l'a alpagué un peu comme ça, tout de suite dans les bras. Enfin vraiment il est super chouette ce gars-là, il était avec sa copine et puis deux autres vlogueurs. On a pris le temps de discuter, on a parlé un peu
de ce qu'il faisait, si j'aimais Kotao ou quoi. Je lui ai dit que j'avais adoré tous ses conseils qu'il avait pu mettre sur YouTube. C'est une grande source d'inspiration pour moi, ce type est très important, même s'il n'est pas forcément très connu. Voilà, je vous mets sa chaîne en description parce que ça vaut le coup d'œil. Vraiment, allez voir ce qu'il fait, c'est vraiment super bien filmé, il y a du drone, il a un super équipement, vraiment c'est... Je pensais pas qu'il allait être aussi sympa comme ça en le croisant. Et vraiment, ouais, super surprise, je vous en parlais aussi aujourd'hui. Kotao, il y a 20 000 coins, il y a 20 000 surprises comme ça. C'est aussi, ça passe aussi par les gens. Aujourd'hui, on a rencontré un Français, une Française, un Belge. Ça passe vraiment par ce genre de moments-là. Et puis, c'est finalement les meilleurs. Rappelez-vous aussi à Bangkok, quand on a rencontré l'Islandais qui vloguait aussi. C'est vraiment ce genre de moments, je pense, quand vous voyagez, qui sont peut-être les meilleurs, et puis ceux qui restent aussi le plus longtemps dans vos têtes. Donc voilà, c'est tout pour nous ce soir. Demain, on va à Copenhague, on prend un bateau à 10h. L'aventure continue pour nous encore pendant 5 jours. Copenhague, Koh Samui, et puis après, retour à Bangkok. Et puis, petite surprise aussi avant de rentrer en France. Vous verrez, je pense, d'ici là, peut-être dans une ou deux semaines, sur les derniers épisodes. Voilà, bonne nuit à tous, ciao. Arrête de vlogger, on va dormir. Petit talent de vlogueuse. C'est vrai? Fais-nous voir ça. YouTube voir. Ok, alors suivez Justine. Mais pas sur Snap, les gars, c'est intime. Ouais.